Afin que ténèbres et à la musique à la biso, aux alokumu, à combo la yokolo, mon cause, mon bix la biso, je suis au lobby. Amen. Amen. Tout est le missi, mon sakoli, et le monde à mon congoli kota, pour la koya kotea, biso, l'ilomanaza, mais caribou. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Amen. La parole de Dieu est à la capone en bateau et aux ambas polymes. La parole de Dieu est pour ceux dont Dieu a choisi. Oyo, aïe, c'est qu'un zamba bongi, c'est qui kaya. Celui qui est venu, c'est que le Seigneur avait prévu afin qu'il vienne. Aujourd'hui, tu as toujours les 17 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes toujours le 17 septembre 2021. Et vous allez continuer sur... Vous allez continuer sur enseignement Nabissou sur l'ouverture de cette zone. Nous continuons toujours avec notre enseignement sur l'ouverture des livres, du livre. L'ouverture est un livre et à sept sceaux, ils ont scellé les sept sceaux. L'ouverture des livres qui est scellé des sept sceaux. Mais tous autres, là, non, bah, ombre, n'ayango, donc, bah, image, n'ayango, 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 nous sommes d'abord en train d'observer leurs images, comment Dieu avait classé cela. Parce que tout le monde qui est ce qui a été, n'ayango, chrétien, c'est ce qui sera. Parce que nous avions dit que ce qui a été, c'est ce qui sera selon que le dit l'Écriture. Donc, ma komami oyo zambe alubi dans ma livre, la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, les écrits que Dieu avait mentionnés dans les prophètes, cela prophétisait pour les choses à venir. Donc, pour moi, c'est un livre Apocalypse. Donc, pour que quelqu'un prêche, par exemple, les livres d'Apocalypse, il faut mon angona katia Moïse. Il doit voir tout ce qui se trouve en Apocalypse en Moïse. Yango totanga ki aussi na Hébreux chapitre 1er, verset 1er. C'est pourquoi nous avions lu dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Amen. Dans un balobaka, na balolenge ebele, pe azozongelaka. Donc Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Maintenant, toujours texte Nabisso. Maintenant, nous prenons notre texte. Toko rappelé par la grâce de Dieu au nom de Robaki na Tongo. Nous allons d'abord rappeler tout ce que nous avions parlé le matin. Après, toko tina témoignage toujours moussous ya fermeture ya livre. Puis nous allons rentrer dans un autre témoignage, toujours de la fermeture du livre. Paix à ouverture et à livre. Et puis de son ouverture. Là, Totangi, Lévitique chapitre 26. Là, nous allons lire Lévitique chapitre 26. Verset 14 à 16, et puis le verset 19e. Au verset 14 à 16, puis nous allons prendre le verset 19. Lévitique. Chapitre 26e, verset 14 et 10 à 16, et puis le verset 19e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Seba Kolimbole Labisso, na Lingala. Mais si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous
mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous na sauté na 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 tanika ka portion na, voici ce que je vous ferai. J'ai lu seulement cette portion du verset 16e et voici ce que je vous ferai. Après na yena verset 19. Puis je prends le verset 19e. Toujours à Lévitique 26. Je briserai l'orgueil de votre force. Nako bebisa lolendo ya makasi na bino. Je rendrai votre ciel comme du fer. Nako komisa likolo na bino lokola ebende. Et votre terre comme de l'airain. Pe mabele na bino lokola motako. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Tous croire que tous avancer par la grâce de Dieu. Nous croyons pouvoir avancer par la grâce de Dieu. Na tongo tozalai kotarisa nazo ke komo kwezoya plus. Je sens comme s'il y a un na tongo tozalai kotarisa sur le royaume ou bien l'autorité, la supériorité. Le matin, nous étions en train de faire voir sur le royaume, ou bien les trônes, ou encore la supériorité. Pourquoi tous autant la bongo? Pourquoi nous marchons de la sorte? Parce qu'à la fin de tous les sauts, c'est alors que nous voyons la manière dont le Seigneur a fait les choses. Na Apocalypse 11, na 7e trompette d'abord. En Apocalypse chapitre 11, à la 7e trompette. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, le verset 15e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le septième ange sonna de la trompette. Moi je n'assemble ayula qui quel est l'homme. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Ben alikolo ezalaki na mingongo makasi o ezalaki koloba. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Bokozi na mokili bazongisi yango epai na kolo na biso pe mopakolami na ye. Et il régnera au siècle des siècles. Donc la fin de toutes choses est un royaume. C'est le royaume. C'est pourquoi je parle de la sorte afin que vous compreniez. C'est pourquoi j'ai fait encore voir les prophéties qui concernent la septième trompette. Ésaïe 11. Nous prenons Ésaïe chapitre 11. Dans Ésaïe 11, tout le monde a boy. Qu'est-ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 11? Au moins, nous avons lu Ésaïe 10. Tu vois, quand tu regardes bien Ésaïe chapitre 10, au Tangiango, tu les lis. Bazolobela, shit ya Assyrie. On parle de la chute d'Assyrie. Ce qui est que Assyrie est comme la puissante nation d'Atanaï. Donc quand on parle de l'Assyrie, elle était comme une puissante nation à son époque. Maintenant, Tango Azo Chite. Maintenant, lors de sa chute, Azagi Korenienet na forêt na e mokoboué. Donc pendant que l'Assyrie régnait, c'était semblable. Elle régnait dans la forêt. Azaïko dominait ba arbre. Et dominait sur les autres arbres de la forêt. Azaïko taristote saka ba arbre, c'est aussi ba royaume, ba nation. Et nous avions fait voir que les arbres, c'est comme aussi des nations, des royaumes aussi. Mais le Seigneur likamni nazo sa. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Sokotali Ésaïe 10, verset 33. Si tu lis dans Ésaïe chapitre 10, au verset 33e. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence.
Tala se kolo seko ya mapinga azali kobuka bitape na kanza. Ramo itali saka aussi roi. Ba roi. Les rois, les rameaux ici parlent aussi des rois. Les plus grands sont coupés. Oyo ya minene et katemi. Les plus élevés sont abattus. Oyo tombo mi makasi e kwesa mi. Azo kwesa ba royaume. Donc Dieu écroulait les royaumes. Mais ba expliquant on a l'air que Zamba koti na Zamba azo katande ba rameaux. Mais on explique dans le sens que Dieu est entré dans la forêt, il a commencé à couper des rameaux. Yango komona na soka sisi ko kata ba rameaux. Voilà pourquoi tu verras, après avoir tout coupé, les rameaux. Esaïe 11, Zoban. Maintenant, Esaïe 11 vous suit. Verset 1. Au verset 1er. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Pe, et tape moko ekobima na mubimbi na Isaïe. Donc, tant que kataki ba rameau, na Isaïe, pe na Isaïe dans la chair, akati. Donc, quand il avait coupé des rameaux, même à Isaïe dans la chair, il avait coupé aussi. Mais à permettre que Ramon moko ebima. Et puis il a permis que qu'un seul Ramon sorte. Ramon, c'est le rejeton de David. C'est Ramon là, c'est le rejeton de David. Amen. Tangwazoya. Lorsqu'il viendra. Yoka l'écriture et Zoloba. Écoute ce que dit l'écriture. Nazo zoga ba morceau pour n'en appeler sa bino penser. Pourquoi nazo te yandengona si les royaumes. Je ne prends que des morceaux pour te faire voir pourquoi je suis en train de prêcher sur les royaumes. Le trône. Les trônes. Et ça pour nous souka héritage yo les véritables fils à Isaac à Kozoa et Zande royaume. C'est pour dire qu'à la fin, l'héritage que prendra le fils d'Esaïe, ça sera le royaume. Même le fils Oyazo Botama, na Apocalypse 12, Balobiazo Kenene na trône naï. Même le fils qui naît en Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il part à son trône. Dans verset 5. Au verset 5. Toujours royaume. C'est toujours question des royaumes. Donc, montagne. C'est aussi la montagne. Je prends dans Esaïe chapitre 11. Basotali, c'est verset 9. Oui. Au verset 9, on nous montre. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et kosale ma eloko ata moko ya mabete ata ya libebite kati ya likolo na ngomba na ngai santo. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Poete mokili ekotonda na boyebi na seko. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Lokola bozindo na mai monana na mai oyo etipi yango. Donc tant au Seigneur a koti na zamba. Donc, lorsque le Seigneur est rentré dans la forêt, Abando kata baramo, il a commencé par couper les rameaux. Baramo plus élevé, les rameaux qui étaient plus élevés. Baramo à niveau assez, et d'autres moyens. Ah, ça, il était en train de les couper toujours. Mais le Bélemsois ont renversé des montagnes. Des en, rois. En d'autres langages, Dieu a renversé des montagnes et des rois. Mais, renversé, bah, roi, mais quand il renversait ses rois, Azan a besoin de tomber là, roi Moko dans la maison d'Isaïe. C'est avec l'objectif qu'il élève un seul roi dans la maison d'Isaïe. A tomber là, une montagne. Il élève une seule montagne. Et tant que vous tombez là, rameau, après avoir élevé ses rameaux, c'est alors que la connaissance va remplir toute la terre. Là, cela parle d'ainsi que Satan est lié. Parce que du fait que toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. En ce jour-là, verset 10. Au verset 10. Le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière. Namokolowana. Si ça, tope mboto na Isaï, eko zalawana loko la bendele. Pour les peuples, bona libota, les nations se tourneront vers lui. Bikolo bakobanuka epai na ye. C'est ça, ils ont abandonné Babylone, chacun allait dans son pays. C'est ce qui signifie que les nations ont abandonné Babylone et chacun retourne dans son pays. Donc la terre maintenant adorera. C'est comme ça que maintenant toute la terre va se prosterner devant l'unique roi. Zacharie 14, verset 9. Zacharie chapitre 14, verset 9.
J'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. L'Éternel sera roi de toute la terre. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Aujourd'hui, on a plusieurs noms. L'autre a ses fétiches, le nom c'est Baal. L'autre a ses fétiches, le nom c'est Moloch. Et il part aussi se réfugier à ses statues. Mais promesse, Zali. Mais il y a une promesse. Le seul nom écotique. Qu'il restera un seul nom de l'Éternel. Ah. L'unique roi. L'unique roi, c'est ah. Bon. Pourquoi l'unique roi a rencontré à la forêt ou à la baramonionso? Pour que l'Éternel le reste l'unique roi, il rentrera dans la forêt et coupera tous les rameaux. Alors, tant que nous sommes dans Esaïe, l'Éternel, donc les rejetons d'Isaïe, qui est comme les fils de David. Quand nous regardons dans Esaïe, les rejetons d'Isaïe qui est comme fils de David. Alors, l'unique. Il sera l'unique. Bemba bikolo nyonso bako. Et toutes les nations tourneront les regards vers lui. Donc la gloire sera, il demeure. Yangwana Esaïe 18. Ça, Esaïe chapitre 18. Na verset 3. Au verset 3e. Vous tous habitants du monde. Vous tous habitants du monde. Binonyon soba fandi ya mokili. Nazan Esaïe 18, verset 3. Okay. Habitants de la terre. Bafandi na mabele. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Bota bendele oyo etelemi na bangomba. Donc bangomba ezebele. Donc il y a plusieurs montagnes. Mais bannière moko ezali kolo ya bangomba nyonso. Il n'y a qu'une seule bannière qui s'élève au-dessus de nombreuses montagnes. Donc c'est la même bannière wana ngolo beza. Lokola ba montagne basaka ba roi. Ces mêmes bannières-là, comme des montagnes, sont des rois. Yazali Kolonangonios. Lui est au-dessus de toutes les montagnes. C'est-à-dire roi des rois. C'est-à-dire la bannière, c'est le roi des rois. C'est ça, roi des rois. C'est ça, roi des rois ici. Et qu'on sent les makamba qu'on remettre le royaume Nios entre les mains de Christ. Cela se fera que lorsqu'on remettra tous les royaumes entre les mains du Christ. Et toutes les montagnes et comment la bannière mongoli colonne yango. Et toutes les montagnes verront une seule bannière au-dessus d'elle. Cela veut dire Christ loco la véritable Adam. C'est-à-dire Christ comme étant le véritable Adam. Montagne a perdu qui? La montagne qu'il avait perdue. Où est un royaume? Qui est aussi le royaume? Et songe en Apocalypse. Va retourner en Apocalypse. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans le langage à montagne, montagne. C'est pourquoi je marche avec le langage de montagne, montagne. Ce qu'on suit Daniel 2. Quand tu prendras Daniel chapitre 2. Batalisi babo konzi oya bato. On parle des royaumes des hommes. Comme quatre parties à statue à Nabucodonosor. Comme étant les quatre parties qui constituaient la statue du roi Nabucodonosor. Mais balobi na ndoto ya ya Nabucodonosor. Mais on dit dans les songes du roi Nebuchadnezzar, verset 35. Au verset 35e. Il y a Daniel 2. Et Daniel chapitre 2. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Naboye et Bende. Nabani na 34. Je commence à partir du verset 34e. Même dans 32. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. La tête de cette statue était d'or pur. Mutuya ekeko yango ezalaki na wolo petwa. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Tolo na epe maboko na ye ezalaki ya motako. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Eh libumu na ye pe ebelo na ye ezalaki pe ya ebende. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ma colonne ya ebende,
Matambe matindi na ye. Eteni moko ebende eteni mususu lima. Qui regardait? Lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main. Tango libanga moko ebimaki na lisungi ya loboko moko te. Se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Ebetaki makolo ya ebende pe ya lima ya ekeko. Elle est mise en pièces. Pe epanzaki yango. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Nabongo, ebende, lima, motako, palata, wolo, nyoso, ebukanaki, epanzemaki, elongo. Et des vers comme une balle qui s'échappe d'une heure en été. Bongo, ekomaki lokola, eloko ya mopepe, oyo ezali kokende na mopepe, oyo ya été. Les vents les emporta. Et nul trace n'en fut retrouvée. Pe ata ndelo tope elembo mokote monanaki. La pierre, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Kasi libanga oyo ebetaki ekeko ekomaki ngomba monene. Et remplit toute la terre. Mais l'anda explication. Maintenant, écoute l'explication de ces sons. Dans verset 43 à 44. Au verset 43 à 44. Toujours à Daniel 2. Et Daniel 2. Qui a vu les fers mêlés avec l'argile? Yo monaki ebende esangani na mabele tolima. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Qui ne sera jamais détruit. Oye, kobebi samakate. Yagone m'a expliqué qu'on a bandit une grande montagne. C'est ce qu'on a expliqué déjà là avant, que c'est la grande montagne. Balobi, c'est le royaume qui ne sera pas détruit. On explique cela comme étant le royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous sa domination, la domination de notre peuple. Et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Akobuka pe akopanza ba bokonzi nyonso wana. Yabone tomonaki n'Esaïe, ye moko Seigneur akoti azo kata baramonios. C'est ce qu'on a vu dans Esaïe chapitre 10, que le Seigneur est rentré dans la forêt, il a commencé à couper. Au verset 33. Au verset 33. Ramo etalisaka pe roi. Les rameaux parlent aussi du roi. Azo kwesa ba royaume nyonso. Il faisait écouler tous les royaumes. Mais maintenant dans verset 1, il y a Esaïe 11. Maintenant, au premier verset d'Esaïe 11, il élève un seul rameau de la poussière d'Esaïe. Quand tu poursuis la lecture dans Esaïe chapitre 11, ce rameau devient la bannière qui est au-dessus des montagnes. C'est ça la grande montagne. C'est ça la grande montagne. Amen. Mais ce royaume, ces royaumes, Zamba Pesaki Ango Adam. Dieu l'avait donné d'abord à Adam. Il y a un endroit que la jardin d'Eden, il y a c'est la montagne. C'est pourquoi j'ai dit que le jardin d'Eden, en réalité, c'est toute une montagne. Les paroles qu'il avait données à Adam, c'est la royauté. C'est toute une royauté. Bokonzi. La royauté. Et Bokonzi, Makokanisakango, la montagne. La royauté est comparée aussi à la montagne. Et nous avions vu comment Adam avait tombé et Dieu l'avait chassé. C'est que a scellé montagne. Alors Dieu avait scellé la montagne. Cela veut dire Adam perdre le pouvoir. Pour dire qu'Adam avait perdu le pouvoir. Est-ce que nous suivons très bien? Adam pas les jours de 70 ans.
C'est pourquoi tu verras que Adam, pour accomplir les jours de Dieu, n'avait manqué que 70 ans. Dans Genèse 5, verset 5. Quand tu liras dans Genèse chapitre 5, au verset 5, Adam a koufaka à 930 ans. Adam était mort à 930 ans. Or, Moïse a lobi na psaume 90. Et Moïse avait dit dans psaume chapitre 90. Parce que psaume 90, 91, 92, c'est Moïse. Psaume 90, 91 et 92, c'est pour Moïse. A lobi, il a dit un jour pour Nzambe zaka 1000 ans. Que un jour devant Dieu, c'est aussi 1000 ans. A compris le temps Nzambe a dit que Adam mukoloko lia mukoloko kufa. Il a compris que lorsque Dieu avait dit à Adam que le jour que tu mangeras, c'est le même jour que tu mourras. Oui. Oui. Namolimo Adam kabona ki Nzambe. Donc spirituellement, Adam s'était séparé de Dieu. A kufa ki vraiment. C'est-à-dire, il était mort. Mais Adam koufi deux fois. Mais Adam était aussi mort deux fois. Finamolimo. Spirituellement, a koufi petit poussière, tu retourneras dans la poussière. Il est mort aussi physiquement, comme Dieu l'avait dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Wana koufi na 930 ans. Et physiquement, comme ça, il était mort à 930 ans. Pour kokisa mokolo Nzambe. Pour accomplir les jours de Dieu, à 70 ans. Il lui avait manqué 70 années seulement. Donc Nzambe botola ki règne. Donc Dieu lui avait privé les règnes. Maintenant, pesa mutu moko na mabele 70 ans. Et Dieu avait donné à une personne sous le soleil 70 ans. C'est David. Amen. David ndé atali saka trône. C'est David qui parle du trône. Asala 70 ans na mabele. C'est lui là qui avait fait 70 années sous la terre. Ozola na mama. Est-ce que vous suivez très bien? Yango moni lokola Nzambe pardonna Adam. Voilà pourquoi, comme Dieu avait pardonné à Adam, il fera ça que Mouta vivre un jour. Voilà pourquoi il fera en sorte que l'homme vive un seul jour. C'est ça qui est un millénium, mille ans. Ah. C'est ça l'objectif de millénium, mille ans. Ah. Amen. Un jour dédié. Personne, mille ans. Ah, personne sous le soleil n'avait accompli un jour de Dieu, mille ans. Dieu maintenant pour montrer qu'il a pardonné véritablement. Un jour. Vous ferez un jour. Amen. C'est ça mille ans. C'est ça promise. C'est ça le millénium. Et Dieu bénisse. Amen. C'est avec cela que nous avions marché, comme nous l'avions déjà dit. Toutes les écritures dont j'ai touché. C'est pour te montrer que. Héritage yo. Dernier Adam Fosona Souka. L'héritage que toi. Hériter le dernier Adam à la fin. Oh, il y a Christ de Jésus. Qui est Christ? Totanya on a Apocalypse 11 verset 15. Nous l'avions lu dans Apocalypse chapitre 11 au verset 15e. Royaume du monde. C'est le royaume du monde. Montagne. C'est-à-dire la montagne. Amen. Yamonde Daniel d'Abengango grande montagne. C'est ce que Daniel dans Daniel chapitre 2 appelle la grande montagne. Royaume éternel. Comme étant le royaume éternel. Est-ce que nous suivons très bien? Par rapport à montagne, montagne. Pour la raison pour laquelle on a pu marcher avec le langage de la montagne, montagne. C'est pourquoi nous t'avions montré la pensée qui est dans l'écriture. Quand nous avions lu Exode au chapitre 19, Bazalaki na troisième mois depuis leur sortie de l'Égypte. Ils étaient à leur troisième mois depuis leur sortie de l'Égypte. J'avais beaucoup insisté. J'avais questionné puis répondre même. J'avais dit quand est-ce que le Seigneur avait établi des sacrificateurs. Exode 40. On avait pris Exode chapitre 40. Même si tu faisais tous les chapitres à partir du 1er jusqu'au 17e verset, tu verras la manière dont Moïse dressait les tabernacles. Moïse abanda kotonga tabernacle atiena no lieu très saint. Moïse avait commencé d'abord à dresser le tabernacle. Donc, en commençant par le lieu très saint. Le lieu très saint. Donc il a commencé par bâtir des lieux très saints. Ici, il a fini. A poussé à tronquer lieu saint. Et puis il s'est approché. Il a construit encore les lieux saints. Après a poussé à salir par vie.
Et puis il s'est approché encore, il a fini avec le parvis. Cela est semblable à la manière dont quitter l'éternité pour venir vers le peuple. Là, si nous voulons prêcher, c'est ça Exode 40. Et tant qu'on a classé le tabernacle. Et la manière dont il a classé le tabernacle. Après, à oindre sacrificature. Et puis, il a oint la sacrificature. Donc, Aaron et ses fils. C'est-à-dire Aaron et ses fils. N'est-ce que le sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron. C'est pourquoi nous avions dit que les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, Babanda ki musala na deuxième année. Ils avaient débuté le travail à la seconde année. Or, Exode 19 est dans la première année. Or, dans Exode 19, on nous parle de la première année. Maintenant, la première année, wana. C'est maintenant dans cette première année. Nous avons dans un bapesi promesse. Nous voyons que Dieu avait donné la promesse au début de cette année. Il a dit que lorsque vous m'obéirez, vous obéirez à la parole, vous serez le royaume des sacrificateurs et vous serez alors ma nation. Maintenant, alors, Ayena verset 24. Il vient au verset 24e. Toujours d'Exode 19. Toujours d'Exode chapitre 19. Au troisième mois. Au troisième mois. Nous avions lu ces chapitres et nous les relisons davantage. Parce que toutes choses, vous devez les saisir confortablement en vous. L'idée Yahweh est la bien sa compréhension. La bonne prédication est celle qui repose sur la compréhension. Comprendre l'idée, c'est ça. Que tu comprennes la prédication, c'est ça là. Verset 24, il dit que l'Éternel lui dit. C'est quoi à l'obélier? Nazan, verset 24, il y a Exode 19. Je suis au verset 24e d'Exode 19. Va, descends. Kende, quitta. Tu monteras ensuite avec Aaron. Okomata, bongo et longo, na aluna. Mais les sacrificataires. Et le peuple ne se précipite point pour monter vers moi. Kasi banganga nzambe na libota bazala na lombangu te ya kuputa e panangai. Awa azozo Aaron eti sacrificateur te. Ici Dieu ne prenait pas Aaron comme sacrificateur. Tozoka na malamu. Nous nous suivons très bien. Abi mais les sacrificateurs ne monteront point le peuple. Dieu dit à Moïse que les sacrificateurs et le peuple ne monteront pas sur la montagne. Denatalisaki que Aaron awawa réponse fausse en Exode 4 verset 16 na 17. C'est pourquoi j'avais fait voir que Aaron qui monte avec Moïse ici, la réponse se trouve dans Exode chapitre 4 verset 16 à 17. Aaron zalaki neti tout un vase. Et Aaron était comme tout un vase. Oye sengeli Moïse atia parole nyonso. C'est lui qu'il fallait que Moïse y dépose toute la parole. Donc, tu mettras tes paroles dans sa bouche. Amen. Et à cause de comme ton prophète. Aaron sera comme les prophètes. Est-ce que tu suis très bien? Aaron. Maintenant, si tu poses la question à Aaron, Moïse azana ni bona yo. Qui est Moïse pour toi? Moïse aza Dieu, mais Moïse aza cœur. En ce moment-là, Aaron te répondra que Moïse, il est Dieu, donc il est le cœur. Mais si tu lui répliques encore, pourquoi? Jésus va te répondre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Parce que Aaron est la bouche. Amen. Cela veut dire cœur, c'est Moïse. C'est-à-dire, le cœur d'Aaron, c'est Moïse. Est-ce que nous suivons très bien? Exode 7. Si tu prends psaume 7. Exode 7. Exode chapitre 7. Na verset 1er. Au verset 1er. Là, Moïse est Dieu, Aaron, prophète. Là, Moïse est comme Dieu et Aaron, comme son prophète. Aaron monte avec Moïse comme prophète de Dieu. Ici, Aaron montait avec Moïse à la montagne comme étant les prophètes de Dieu. Ils étaient au troisième mois de la première année, mais Dieu dit à Moïse que les sacrificateurs ne devraient pas monter. Il fallait te répondre.
écrire kaka. Il fallait répondre avec l'écriture encore. Parce que Salomon a dit que j'ai tout mis par écrit. Tout. Salomon dit que Dieu a tout mis par écrit. On a enseigné des choses sûres. Pour qu'il nous enseigne des choses qui sont sûres. Et tous sont capables de faire des choses qui sont sûres. Pour que nous soyons capables de répondre à ce qu'il nous a envoyé. Voilà pourquoi, pour répondre à la question des sacrificateurs, on a pris Exode 12, 21 à 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Mose a benga ki papa kanyo soya Israël pe alobela ki bango. Allez prendre du bétail pour vos familles. Bokende kozwa bibwele pona mabota na bino. Et immoler la Pâque. Pe bokata kingo na Pasika. Donc bato ba sacrifier ki awa. Donc les gens qui avaient sacrifié ici, ce sont les anciens. Ce sont des anciens. Amen. Donc bango nde le Seigneur azolobela awa na verset 24 Exode 19. Ce sont ceux-là que Dieu appelle comme sacrificateurs dans Exode 19 au verset 24. Parce que Bazaraki na troisième mois. Parce qu'ils étaient au troisième mois. Dieu n'avait pas encore établi les sacrificateurs. Selon l'ordre d'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron. Parce que selon l'ordre d'Aaron, Bakoti na service na deuxième année. Du fait que selon l'ordre d'Aaron, ils sont rentrés au service à la seconde année. Voilà pourquoi nous avions montré ceci. Que sacrifier veut dire adorer. Amen. Dans Genèse 22. On avait pris cela dans Genèse chapitre 22. Abraham a savoir qu'il ne pouvait sacrifier. Abraham partait pour sacrifier. Mais il a serviteur naïe. Mais il a dit à ses serviteurs, tant à mon avis déjà les lieux, une fois vu déjà les lieux, na montagne, à la montagne, abibino botika là avec l'âne. Il a dit à ses serviteurs de rester avec l'âne. Aïna fils Isaac. Et lui avec son fils Isaac. Toko kene na montagne pour adorer. Nous irons à la montagne pour adorer. Alimbole libiso sacrifier veut dire adorer. Il nous a interprété que sacrifier veut dire adorer. Mais awa wana Exode 19. Ici maintenant dans Exode chapitre 19, le Seigneur a quitté la montagne. Dieu était descendu à la montagne avec des éclairs, des tremblements et des tonnerres. Amen. Mais à cela qui montagne na sceau. Et puis il avait scellé la montagne des sceaux. Est-ce que nous suivons très bien? La montagne qu'il avait scellée, c'était la même manière que Dieu avait scellé le jardin d'Eden. Parce que la terre azopesa Abraham. Parce que la terre que Dieu donnait à Abraham, comparable na jardin d'Eden. Cela est comparable aussi au jardin d'Eden. Essentiel na pesa yo écriture claire. Et je te donne seulement clairement les Joël 2 verset 3. Joël chapitre 2 au verset 3e. Joël 2e. Na verset 3e. Je lis. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brillante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Eden. Et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Là, c'est après qu'Israël ait péché. Et Dieu a envoyé que ses ennemis détruisent leur pays. Mais le pays est jardin d'Eden. Auparavant, le pays était comme les jardins d'Eden. Nous nous suivons très bien. C'est alors Moïse qui dit dans Exode, chapitre 15. Au 15e chapitre. Nous avons dit que na Apocalypse 6, l'andaka bien. Je retourne beaucoup, je répète beaucoup sur ces mêmes choses parce que cela va nous faciliter en Apocalypse chapitre 6.
Exode 15. Exode chapitre 15. Verset 17. Au verset 17. Qui les amènera et qui les établira sur la montagne? Okome mabango pe okofande sabango likolo na ngomba. De ton héritage. Yango ezali di bulana. Au lien que tu as préparé. Na esika oyo yo bongisa. Pour ta demeure. Pour na efande lo. Ô Éternel. Oh Seko. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Na esika esatu kolo oyo maboko na yo esalaki yango. Ezane le bilibili awa. S'il y a beaucoup de choses. Mais nazolo bamona simplement. Je ne fais que parler tout simplement. Le Seigneur azolo belana héritage azo pesa Israël. De la manière dont le Seigneur parle de l'héritage qu'il va donner à Israël. Comme la montagne. Étant la montagne. Et puis sanctuaire. Amen. Comme aussi la montagne. Amen. Mais sanctuaire les animaux y est mon quoi fondé. Et ce sanctuaire là c'est ses propres mains qui l'ont créé. Sanctuaire a fondé mon voisin et prédit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Le sanctuaire qu'il a formé lui-même se trouve dans Hébreux chapitre 10. Là où il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ça ce sanctuaire là. C'est ça le sanctuaire. À cause un peuple à délivrer. Il prendra les peuples qu'il aura délivré. Montagne, il les amènera vers la montagne là. Yango Hébreux 11 Zolobake pona nini Abraham bazakufa na sous des tentes. Voilà pourquoi Hébreux 11 dit que pourquoi les Abraham vivaient sous des tentes. Parce que bazalaki comme signe d'étranger. Ils étaient comme un signe d'étranger. Ils attendaient une cité. Amen. Cité où Dieu est l'architecte constructeur. Amen. Cité où Dieu est l'architecte constructeur. Cette cité dont l'Éternel est l'architecte et le constructeur. Son nom tu le prendras dans Hébreux chapitre 11 verset 41. La perfection. Amen. Et la perfection c'est Christ et Jésus. Et cette perfection c'est Jésus Christ. Yende Balbi, tu m'as formé un corps. C'est celui dont on parle que tu m'as formé un corps. C'est lui ce sanctuaire là. Amen. Où est-ce comme une montagne aussi? Ce sanctuaire est comme la montagne. Quand ils ont délivré du son. Quand ils nous délivrent. Ils sont tous se trouvés à la montagne. Nous tous, nous nous retrouvons sur la montagne. Mais dans la chair, boy, Israël a zokenena. Mais physiquement dans la chair comme ça, Israël partait dans les territoires que Dieu avait donné à Abraham. Où est ça? Montagne. Qui est la montagne? Nous nous suivons très bien. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut connaître. Parce que ça est très utile. Tout ce que nous disons est, sont très importants. Maintenant, tout ce qui est important, c'est que nous étions en train de montrer ceci. Quand nous avons pris Exode 24. Quand nous avions pris Exode chapitre 24. Exode 24. À partir du verset 1er. À partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit à Moïse. Monte vers l'Éternel. Nzambe a ebisa ki Mose. Mata e pa ina seko. Toi et Aaron. Yo elongo na lona. Nadab et Abihu. Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Babaka tukusambo na Israël. Omoni ba sacrificateur ba pisa yiko na. Tu vois les sacrificateurs dont on avait interdit là-bas? Awa ba autorisé ba ngoba mata. Ici on les a autorisés de monter. Pona nini ba komata? Pourquoi ils monteront? Et vous vous prosternerez de loin. Bino bokogumba mela musika. Bazo mata pour adoration. Donc ils montent pour l'adoration. Nous nous suivons très bien. Mais suis d'abord la manière dont les problèmes s'ensuivent. Moïse s'approchera de celle de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Mose ayaki koyebisa libota maloba nyonso na seko et toutes les lois. Bebi beko nyonso.
Les peuples entiers répondirent d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Libota mobimba bayano la kina mumbongo moko biso tokosala oyosekwa lobi. Tala verset 4. Regarde au verset 4e. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Mose akomaki maloba maso maseko. Puis il se leva de bon matin. Pe atelema kina tongo makasi. Awawa ici l'aspect ya mort na résurrection ça. Il y a l'aspect de la mort ainsi que de la résurrection. Sommeil Ezaliao. Il y a aussi le sommeil là-bas. Bible. La Bible. Écriture. Cette écriture. Il y a verset 4. Du verset 4e. Yokanegi Hébreu Azoloba Yango. Écoute la manière dont Hébreu en parle. Na Hébreu 9. Hébreu chapitre 9. Kuna tomoni Moïse a commis. Là-bas, nous voyons Moïse qui rédigeait. Il rédigeait les paroles dont l'Éternel avait parlé de la montagne qui était scellée. En Exode 19. En Exode chapitre 19. Les paroles. Il prend ça. Moïse les prend. Son écriture, na livre. Moïse les rédige avec son écriture dans le livre. C'est toujours les paroles scellées. C'est les mêmes paroles qui étaient scellées. Mais comme il a rouleau. Mais c'est devenu maintenant cette façon. Parce que Dieu compare la montagne, ou bien la montagne à un livre. Parce donc, que Dieu c'est la terre. Parce que Dieu compare la montagne à un livre, du fait que la montagne parle aussi de la terre. C'est alors que. Na livre. C'est alors que Moïse les a pris. Or, ma livre, na benga rouleau. Donc, ça va la boue. Fermé. Quand Moïse avait pris les paroles, il les a mises dans un livre, c'était le rouleau qui était fermé. Nous suivons très bien. Mais sur la tête de Moïse, il faut même adorateur dans la montagne. Dans la pensée de Moïse, il savait qu'il fallait qu'il ramène les adorateurs sur la montagne. Mais avant que n'a pas monté moi tes sacrifice. Il n'ira jamais avec ce dernier ainsi sans immoler les sacrifices. Nous suivons très bien. Et Tomoni Moïse écrivit. Et nous avions vu Moïse. Toutes les paroles de l'Éternel. Rédiger toutes les paroles de l'Éternel dans les rouleaux. Maintenant, Yoka, Mukanda, Moïse, Zaïki, Namonega, Komaki, Hébreu 9, Azo, Benamonim. Et on a verset 17. Écoute maintenant ce que Moïse avait écrit, comment on le parle dans Hébreu chapitre 9. À partir du verset 17e. À partir du 17e verset. Verset 16 même, Nabani. Même à partir du verset 16e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Notez verset 16 et verset 19. Note à partir du verset 16 jusqu'au verset 19e. Car là où il y a un testament, Pambate, et si quand mon kanda na kosangola libula ezali, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Ezali na litomba ete liwa ya moto ya komaki mokanda na libula e monana. Jour en Exode 24. Ce jour-là en Exode 24. Moïse na bimaki testataire. C'était Moïse qui était à Paris comme testataire. C'est lui qui a écrit les livres. C'est lui qui rédigeait les livres. C'est pourquoi Tango a commis. Voilà pourquoi après avoir rédigé, il s'est endormi. Voilà. Amen. Hébreu 9, je vous explique. C'est ce que dit Hébreu chapitre 9. Tango a lali. Quand il s'est endormi, il s'est levé le bon matin. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons Hébreu 9, un testament. Mon kanda na libula. En effet. Na bongo, n'est valable qu'en cas de mort. Ezali na litomba kaka soki liwa e monani. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Poete ezali atana nguya mokote na ino mokomi mukanda na libula azana bomoi. Voilà pourquoi c'est avec du sang. Talati na bona nini ezali elongo na makina. Et même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, Mose sima na koyebisa liboso na libota malako pe mibeko nyonso, pris du sang, azwi makira, des veaux et des boucs, ya bangombe pe bata ba mibeko, avec de l'eau
et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'inspection sur les livres lui-même. Parce que les livres vont au Moïse ça comment Hébreu bényango testament. Parce que les livres dont rédigé Moïse Hébreu l'appelle testament. Mais livres on les a malobon zamba lobaki na montagne comme en Exode 19. Ces livres là contenaient des paroles dont l'Éternel avait parlé d'Exode. Oh yoye à cela qui avec des sceaux. Dont l'Éternel lui-même avait scellé des sceaux. Yango moko jardin d'Éden. Ce sont celles-là qui sont comme jardin d'Éden. Parce que Nathalie s'est dit que dans le jardin d'Éden, je vous avais montré que dans le jardin d'Éden, de l'eau sortait d'Éden, les fleuves, et soit Roger Jardin. Il y avait l'eau qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Maintenant, pour comprendre une écriture, il faut aller à une autre écriture. Il faut regarder une autre écriture. Éden a généré ma fleuve. Et l'Éden générait le fleuve d'eau. Pour nous comprendre Éden, il faut que l'Apocalypse 22. Pour que nous comprenions Éden, il faut que nous allions à l'Apocalypse chapitre 22. Verset 1er. Amen. Et l'objet, les fleuves sortaient du trône. Qui dit que les fleuves sortaient du trône? Mais dans Genèse 2, verset 10. Mais dans Genèse chapitre 2, verset les 10. Les fleuves sortaient d'Éden. Plutôt là-bas, le fleuve sortait d'Éden. Le fleuve là est un trône. Ce fleuve là sortait en réalité du trône. C'est le déplacement du trône. Amen. Trône à son côté jardin. C'était le trône qui rentrait dans les jardins. Amen. Et trône tangayaka avec quatre bras. Et quand le trône vient, il vient avec quatre bras. Et trône, c'est Dieu était en Christ. Amen. Réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Yewanande azoy avec quatre bras. C'est celui-là qui venait avec le quatre bras. N'importe ça, quatre parler aussi. Comme nous parlons des quatre parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc jardin d'Eden, trône zawa. Donc dans les jardins d'Eden il y a le trône. N'elobimusu montagne. Dans un autre langage c'est la montagne. Mais n'ezamba comparaka aussi batubazo tosa comme montagne. Et Dieu compare aussi les gens qui lui obéissent comme étant la montagne. Parce qu'à l'obéissance dans Deutéronome 28. Parce qu'il avait dit dans Deutéronome chapitre 28. Verset 1er et 2e. Au verset 1er et 2e. Si tu obéis. Oui. À l'Éternel. Obosanana supériorité sur toutes les nations. Tu auras la supériorité sur toutes les nations. C'est la montagne la plus élevée. Amen. Obosanana malam. Je suis très bien. Quand tu obéis. Lorsque tu obéis, supériorité, tu auras la supériorité. C'est toutes les nations. Amen. Donc là, ils ont dit ça. C'est là montrer que tant qu'on pense que Adam pouvoir, on a début. Que lorsqu'il avait donné à Adam le pouvoir, comme je l'ai dit au début, Adam a eu le pouvoir et jour où il obéissait. Adam, quand il a reçu le pouvoir et ce jour-là, il obéissait. Avant sa chute. Avant sa chute. Mais quand il obéissait, mais lorsqu'il obéissait, la parole, les promesses que Zamba Pessier, c'était une montagne. La parole dont le Seigneur lui avait accordé, c'était comme une montagne. Et Yemokope Aza, une montagne. Et lui-même, Adam, était comme une montagne. Psaume 125, verset 1er. Psaume 125, au verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique de décret. Psaume 125, le verset 1er. Cantique de décret. L'oyembo na kokutoa. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. Elle ne changeait le point. Elle est affermée pour toujours. Quand la parole est pèse un million, lorsque la parole t'est accordée, une supériorité. C'est une supériorité. Et toi-même, tu deviens comme cette parole. Amen. Et quand les mondes spirituels sont mon aïe, et quand les mondes spirituels t'observent, tu es une grande montagne. Il le voit comme il te voit parce que tu te confies à l'Éternel. Parce que tu te confies à l'Éternel. Amen. Gloire. Parce que
que la parole est aux yeux. Car la parole dont tu as reçue, celle qui t'élève, c'est ça Jésus. Cette parole. Que cette parole. Aïe dans Matthieu 5, verset 14. Quand il est venu dans Matthieu chapitre 5, au verset 14, il a regardé les pierres. Amen. Vous êtes une maison bâtie sur la montagne. Amen. Amen. Pourquoi? Azoaki parole que les pharisiens ne pouvaient pas voir. Parce qu'il avait pris la parole dont les pharisiens ne pouvaient voir. Amen. Errez sont vos yeux parce que vous voyez ça. Amen. Vos oreilles parce que vous entendez. Amen. Plusieurs des prophètes ont désiré voir. Amen. Dieu dans la prophétie. Maman a guetté. Amen. Amen. Ma kango de loin. Il avait dit au prophète. Ma Pierre. Il avait dit maintenant Pierre. Vous maintenant. Vous. Posez comme une maison à sommet montagne. Vous êtes semblable à une maison qui est posée au sommet de la montagne. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que nous devons saisir. Maintenant, Exode 24. Maintenant, dans Exode chapitre 24. Moïse, il vient chercher les adorateurs. Moïse, dans sa tête, il avait le programme de Dieu qui cherchait les adorateurs. Mais il doit d'abord dormir. Amen. Et se réveiller. Oui. Et tant oiseau la moukawana. Et quand il se réveille, c'est le matin. Amen. Le soleil se lève. Amen. Oh, le soleil, c'est le quatrième jour. Amen. C'est le jour du Jita. Amen. Il y a grand lion. Amen. Il y a quoi? Apocalypse 5, il a mis les lions ont vaincu. C'est pourquoi Apocalypse crie, Apocalypse chapitre 5 crie que les lions ont vaincu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si Christ n'était pas ressuscité. Amen. Notre foi est vaine. Alléluia. Très vaine. Nous sommes en tout cas, bah, menteurs. Nous tous, nous sommes des menteurs. C'est parce que le dernier ennemi. Parce que le dernier ennemi. Esaïe n'a croix physique. C'était pas la croix physique comme ça. Dernier ennemi s'appelle la mort. Amen. C'est quand il quitte le tombeau. Ozola na mala. Tu suis très bien. Oui. Yango Paul Azolo. C'est ce que Paul disait. Sauf que Christ n'était pas ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité. En tout cas, tous a perdu. Nous sommes des perdus. Mais tant qu'oiseau, c'est quoi? Mais lorsqu'il est ressuscité, mort, où est ton aiguillon? Il montre la victoire sur la mort. Où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Amen. La mort a été engloutie par la vie. Amen. C'est ça, tous au monde, hein? Moïse s'éleva. C'est ce que nous voyons, le fait que Moïse s'était relevé. Le bon matin. Au bon matin. Mais à rassembler qui peuple. Il avait rassemblé tous les peuples. Tant qu'on s'enguissait tous les peuples. Lorsqu'il a rassemblé tous les peuples. Deutéronome 33 et yen à Kiltouan. Deutéronome 33 est venu nous assister au culte. Na verset 4 et na 5, il faut bien être. Au verset 4 à 5, il ne faut pas les renvoyer. Deutéronome 33. Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Mose appelle ça qui biso mobeko. Héritage de l'assemblée de Jacob. Libula ya lisanga na Yakobo. Il était roi. Azala, en Israël. Azalaki mokonzi kati na Israël. Quand s'assemblait les chefs du peuple. Ezalaki kosanga na bakonzi na libota. Donc Moïse était aussi une corne. Amen. Azalaki une force. Moïse était la force. C'est ça, roi. C'est ce qui veut dire le roi. Je suis très bien. Parce que roi, c'est le lion. Amen. C'est ça le terme, d'ailleurs, royaume des sacrificateurs. C'est ça le terme, royaume des sacrificateurs. Parce que le royaume est pensé à Jida. Tout comme le royaume était donné à Jida. Mais s'engagner avec sacrificateur. Mais c'était rassemblé avec les sacrificateurs. Il y a un morceau qui est allé verset 8, Tina 11, tant que vous avez la Lévi. Maintenant, quand tu lis au verset 8 à 11, lorsqu'on parle de Lévi. Sur Lévi, il dit. Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Tumim na Urim et Pesameli motomo santu. Que tu as tenté à Massa. Oyoyo mega ki na Massa. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Longona oyo telemela ki mai na Meriba. Lévi dit de son père.
Lewi alobaka po na tata na ye. Et de sa mère. Pe na mama na ye. Je ne les ai point vu. Na nature de Lévi. Il ne connaît point ses enfants. Aye bibana na ye te. C'est ça Lévi. C'est ça Lévi. Amoni muto escroqué. Il voit quelqu'un qui est escroqué. A sanctionné, c'est bien. Il est sanctionné, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais. Il faut chercher à marteler pour nous redresser. Il faut chercher à marteler pour redresser. Mais quand moi, on n'a pas escroqué. Mais lorsque ton enfant s'est escroqué, sanctionne. Sanctionne également. C'est ça, Lévi. C'est ça, Lévi. Amen. Amen. Sanctionne. Il, au moment où, ils n'ont pas menacé que non. Moi, si faut balaga frère Nakati. Tu verras qu'il est en train de sanctionner la sœur en disant non, toi notre sœur, il faut que tu sois prise en mariage toujours ici. Après des années. Mais sa fille est allée s'allier avec un païen. Non, là t'es fou. Là il est colérique maintenant. Pasteur. Pasteur. Colérique. Il ne faut pas jouer des pasteurs. Pas ce jeu à l'éviter. Il n'est pas un Lévi. Qu'on se distraite. Il faut pas se distraire. Je vous dis qu'on se distraite. Il faut pas se distraire. À l'éviter. Ce n'est pas un Lévi. Lévi ne connaît pas ses enfants. Amen. Lévi a yemi banana yete. A consacré la balance à deux poids de mesure. Il n'aura jamais une balance de deux poids de mesure. Jamais. Jamais. Tu ne verras jamais ça. C'est ça Lévi. Amen. Ouf. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole. Et ils gardent ton alliance. Tu verras le prédicateur qui dit il ne faut pas porter des mèches. Ne mets pas de mèches. C'est bien, c'est l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement, nous ne réfléchissons pas. Ils sont passés tout le temps. Mais nous aussi, nous irons regarder. Nous irons regarder ta femme et tes enfants. Ni la ta femme. C'est ta femme. Na bana na yo. Et aussi tes enfants. C'est Bible na yo. C'est ça ta Bible. Yo motei. Toi, prédicateur. Ta femme et tes enfants. C'est ce qui va nous édifier. Même si tu gonfles avec plusieurs écritures. Si tu finis, nous nous retournons dans ta maison pour voir ta femme et tes enfants. Il va bien qu'on dirige sa propre maison. Amen. Banana et Bazala acquisent la débauche. Que ses enfants ne soient jamais accusés de la débauche. Va garder bien la foi. Qu'il garde bien la foi. C'est l'enseignement. C'est ça l'enseignement de la doctrine. Il ne connaît point ses enfants. Ayebi banana et car ils observent ta parole. Bamba. Ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines. Et l'Holocauste sur ton autel. Nous étions au verset 11. Aza Lévi me balobi. Il est Lévi, mais on dit bénis sa force. Amen. Et pambola ma makasi nae. Ah, pambola ma makasi nae. Makasi est à la corne. Amen. La force parle de la corne. Oui, sacrificature est à qui peut la corne. La sacrificature a aussi la corne. Hôtel de reins est à qui n'a pas corne. Car l'hôtel de reins avait des cornes. Parce que la puissance est dans le sang. Et la puissance de se trouve dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, n'a hôtel d'or. Tu prends l'hôtel d'or. Il y a des cornes. Il y avait des cornes aux quatre coins. Si la puissance. Qui parlait de la puissance. Il y a comment un véritable tabernacle qui est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi tu verras que le véritable tabernacle qui est l'agneau de Dieu. Apocalypse 5. En Apocalypse chapitre 5. Avant la sept cornes. Pour cette sept cornes. Balobi bénit sa force. Ô Éternel. Pambola makasidaye. Oh Seko. Agrée l'œuvre de ses mains.
prise les rênes de ses adversaires. Buka loketo ya banguna na ye. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Pe banguna na ye, bate le matomba tomba malisusu te. Awa Levi, c'est un combattant. Ici Levi est comme un combattant. Tosola na malam? Nous suivons très bien. Un jour na hotel bino nombre 31. Un jour je vous prêcherai nombre 31. Parce que je suis votre serviteur à cause de Christ. Amen. Amen. Et loko boko zanga koye ba force ki nzamba pesinga na pesi. La chose que vous ne pouvez pas connaître, si Dieu me la donne, je vais vous l'enseigner. Amen. Donc, tant que l'ennemi bénit sa force. Quand on dit que bénit sa force, tout le monde a élemboya Moïse comme roi. Et là, nous voyons le signe de Moïse comme roi. Parce que la royauté, ça, autorité, ça, une force. Parce que la royauté parle de la force comme aussi de l'autorité. Et qu'on couait sa ennemi. Qui fera écrouler les ennemis. Et qu'on brise l'adversaire. Qui brisera les adversaires. C'est un signe de lion, il y a roi, la corne, Nakati Alevi. C'est un signe du roi, de la corne dans l'Evi. C'est pourquoi je dis que le matin là, Moïse a rassemblé les peuples. Moïse a rassemblé les peuples. Deutéronome 33, il a dit que quand il rassemblait les peuples, il était aussi roi. Deutéronome 33 dit que quand Moïse rassemblait les peuples, il était aussi roi. Or, roi, c'est Chita. Amen. C'est les lions. Amen. Est-ce que nous suivons très bien? L'écriture d'Exode 24. L'écriture d'Exode 24. Nalikolo, tant que les cambriens sont les mains, le soleil est sur le tombeau. Donc, au ciel, le soleil s'élève quand la chose là se manifeste. C'est comme un héros qui va au combat. Amen. Mais, on se montre un roi comme un héros. Mais vous le voyez sa force, comme le roi. Mais dans un moment aussi l'agneau. Sa force comme ça, et en même temps on tue aussi l'agneau. Les lions vaincus. Amen. Mais basons on a que l'agneau qui prend les livres pour rompre les sceaux. On voit que c'est le lion qui a vaincu, mais on voit plutôt l'agneau qui prend les livres pour rompre les sceaux. Donc tango basopi makila na baya montagne na pia montagne. Lorsqu'on a aspergé les sangs au bas de la montagne, basso ezalaki na limite il y a Exode 19 na montagne Sinaï. Les sceaux qui étaient comme la limite à la montagne de Sinaï, ils ont brisé. Étaient brisés. Amen. Maintenant, aboyaki ba matakuna na adoration. Dans Exode 19, Dieu avait interdit que les gens montent pour l'adoration. Mais l'Exode 24. Mais dans Exode 24, ils montent. Il a permis que ces derniers anciens, les anciens, les sacrificateurs, dans Exode 19, verset 24. Les sacrificateurs dont Dieu avait interdit de monter en Exode 19, le verset 24e. Et c'est ce que tu as dit qu'il allait l'eau. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur, par son sacrifice, amen, a longoli l'interdiction et Zago Pexabiso qui est en adoration. Par le sacrifice du Seigneur, il a enlevé l'interdiction qui nous interdisait de monter pour faire l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, tu as un texte, mon con. Maintenant, nous avions lu un texte. Oyo, tu as continué dans le repasse. Nazo Zouaga jusque-là. Que nous continuons avec cela aujourd'hui, car j'ai fait donc cette lecture jusque-là. Bah, témoignage. Je ne fais que prendre des témoignages avant de prendre leur accomplissement. Amen. Donc, il ne faut pas que quand tu lis en Apocalypse 5, on dit que le livre est fondé en Exode 24. Tu regardes déjà, non, le livre était ouvert en Exode 24. Ce n'est pas comme ça. Donc, Zamben et Asalaki a répété la chose de plusieurs manières, de plusieurs reprises. La manière dont Dieu a placé les choses, il répète une chose de plusieurs manières, ainsi que de plusieurs reprises. Donc, Dieu prend comme des symboles. Donc, Azo Talisa, il montre la manière dont il avait confié l'autorité à Adam. C'est ce qui montre comme étant le livre était ouvert. Montagne est accessible. Et la montagne était accessible. Donc Adam allait obéir. Et Adam obéissait. Sans obéir, on est semblable à une montagne. Donc quand tu obéis, tu es semblable à une montagne. C'est Psaume 125. C'est ce qu'elle nous dit dans Psaume 125. Et autorité aux hommes, c'est la montagne. Et l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, c'est aussi la montagne. Priorité. Amen. Et jardin d'Eden avait le trône de Dieu.
Et dans le jardin d'Éden, il y avait le trône de Dieu. On a expliqué le lien fleuve, ça là qui on a en quatre bras. Et je t'ai expliqué la manière dont il y avait le fleuve en quatre bras. Mais Adam a rejeté parole. Et lorsque Adam a rejeté la parole, a scellé montagne. Dieu avait scellé la montagne. Mais maintenant, Azui Ango a bandi pour expliquer mon abalolenge ébélé. Maintenant, tu as pris cette histoire dont tu l'as commencé à expliquer, à répéter de manière différente. Asala Moïse Nzambe. Il avait fait de Moïse Dieu. Et ça pour nani. Pourquoi? Pour n'apporter sa guerre. Pour montrer que. Comment est-ce que le peuple basa? Esaïe 44. Lui-même dit dans Esaïe 44. Y a-t-il une autre rocher? Amen. Avis je n'en connais pas. Amen. Avis celui dans le bir rocher. Ndenga. Il avait dit que si je parle du rocher, il s'agit de moi. C'est Esaïe 44, verset 8. Amen. Maintenant, quand nous retournons dans Exode, il avait dit que je serai sur le rocher. Maintenant, toi, Moïse, tu viendras frapper le rocher. Qui avait couvert le rocher? Rocher. C'était le rocher Dieu. Mais c'est un rocher spirituel. Mais lui était comme le rocher spirituel. Mais c'est un rocher physique. Mais il existait un rocher physique. Mais les rochers spirituels, c'est qui on. Et les rochers spirituels comme Dieu. Quand on a frappé. Et quand Moïse avait frappé. Petit rocher, on a dit pas qui rocher. Il avait frappé les véritables rochers qu'il avait. Mais n'amis souvent, on a dit que Moïse a petit rocher physique. Mais physiquement comme ça, les gens ont vu que Moïse a frappé les rochers physiques. Sans autant qu'il 1 Corinthiens 10. Si tu fais la lecture dans 1 Corinthiens 10. On va comprendre Rango. Tu vas comprendre facilement. Alors dit nos pères. On dit que nos pères et tout seul a été sous la nuée. Ils ont bu le breuvage spirituel. Amen. Mais ils buvaient à un rocher qui les suivait. C'est comme ça dans le Bible. C'est comme ça que Paul nous dit là-bas. Hébreux 1 Corinthiens 10. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est ça un ministre. Un vrai ministre n'aime jamais l'ignorance dans le peuple. Bandeko, la lingite te bino bozanga boyebi et te batata na biso bazalaki na sena lipata. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Bangonyonso ba katisaka mai monana. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptême na Moïse, mais ils ont deux étapes, na nuée na mer. Le baptême est à Moïse, mais dans deux étapes. C'est comme aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul baptême. Baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ça, baptême yamai. Mais il y a le baptême d'eau. Il y a Saint-Esprit. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu suis le seul baptême? C'est un seul baptême. Parce que Batemele Batalisa Kenengi Jean-Baptiste Alobaki ke Tango Koya ko baptise bino du feu. Parce que plusieurs personnes ont parlé de la manière dont Jean-Baptiste disait que celui qui vient après moi vous baptisera du feu. Et de l'esprit. Et de l'esprit aussi. Maintenant Bazon baptême du feu. Maintenant ils prennent le baptême du feu. Parce que mon feu, Nguya. Feu, feu, la force. Baptême du feu, telle sera ma souffrance. Le baptême du feu parle des épreuves. On entend Luc 12, verset 49 à 50. Là, tu liras dans Luc chapitre 12, le verset 49 à 50. Dit Jésus, Jean-Baptiste a baptisé qui est? Comme Jésus fut baptisé par Jean. Mais à cause de la licence baptême Moussous. Il attendait encore un autre baptême. Alors bien, on a Luc 12, verset 49 à 50. Abengango, baptême du feu. C'est celui dont il parle dans Luc 12, le verset 49 à 50. Il parle du baptême du feu. Alors, qui est? Il avait dit que si on fait à moi au bois vert comme ça, maintenant à vous là. Bois sec. Bois sec. Tous à la bois sec tant que Jésus a guéri. Nous sommes le bois sec quand Christ est encore sous le soleil. Tiens ma matin à croix. Mais lorsqu'il monte à la croix, à Koufi, il est mort. Yenda comme bois sec. C'est lui qui devient maintenant le bois sec. Bon moli mon désamai. Parce que le Saint-Esprit c'est de nous. Alors que je remets de mon esprit entre tes mains. Amen. Donc ensuite ma union soit bimisi ango. Donc il avait pris toutes les eaux, il avait. Yenda tika la qui na croix na bois sec. Dès qu'il était resté à la croix. Maintenant, mon livre, on a pensé qu'il y en a des esopanis na acte 2 na Pentecôte. Maintenant, l'esprit qu'il avait donné s'était répandu en acte 2 avec, dans les autres. Pierre, mon ami, ma mon bois sec. Les pierres qu'il avait vues auparavant, bois sec. À partir d'acte 2, 3, 4.
À partir des actes 2, 3, 4, ils sont devenus bois verts. Il ne faut pas prêcher que non, nous le bois sec. Non, le bois sec, c'est le croyants. C'est celui-là qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Non, quand tu dis que nous, nous sommes le bois sec, c'est quand les pierres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Non, aussi. Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui de nous. Et comme si maman boit vert. Qui a fait des disciples boit vert. Et Corinthiens 10, ça continue au temps. Dans verset 3. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et qu'ils ont tous bu les mêmes prévins spirituels. Qui les suivent. Donc, car ils vivaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christo. Ce n'est pas un rocher physique. Ce n'était pas un rocher physique. Rocher spirituel. Amen. Maintenant, Azalaki Moïse Dieu pour l'année. Pourquoi il avait fait de Moïse Dieu? Donc Azalaki place Wana. C'était pour qu'à cette place. Dieu a frappé Dieu. Afin que Dieu frappe Dieu. Amen. Parce que rocher Nicolas Libanga wana Nzambe. Parce que celui qui couvrait les rochers, c'était Dieu. Maintenant Moïse azobete azape Nzambe. Et Moïse qui devait frapper ces rochers là, il était aussi Dieu. Donc Angaota dit ça, j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie, moi-même. Amen. Donc il voulait faire voir tout simplement que j'ai le pouvoir de donner ma propre vie. Dieu doit frapper Dieu. C'est ça, Dieu doit frapper Dieu. Et j'ai le pouvoir moi-même de la reprendre. Amen. Mouta Sengui Saint Jésus, la tombeau, et ça y est, mon Jésus. La personne qui avait ressuscité de Jésus de tombeau, c'était lui-même Jésus. Le Christ. Amen. Et ça, c'est un mystère. Hein? Ça, c'est un mystère. C'est un grand miracle. Amen. Mbota mané zaka bikam. Sa naissance c'est un miracle. Mbota nae bikam. Sa naissance c'est un miracle. Bikam. Tout est un miracle. Dans notre enseignement. Depuis son enseignement, dans notre enseignement. Notre chef en religion a dit qu'un tombeau vide. Notre chef de la religion avait laissé le tombeau vide. Mais dans ma religion, je suis un tombeau. Mais dans d'autres religions, quand tu parles à leur tombeau, donc au tombeau de leur chef est toujours là, conservé bien. Le Seigneur a bâti ça l'église, na rocher appelé fils de Dieu et non fils de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur avait bâti l'église sur le rocher appelé fils de Dieu et non fils de l'homme. Parce que fils de l'homme, il devait mourir. Amen. Mais tant qu'oiseau c'est quoi? Mais lorsqu'il ressuscite, des fils de Dieu. C'est ça, fils de Dieu. Amen. C'est Romains 1. Ça, Romains chapitre 1. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, Moussali na Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Et qui concerne son fils. Né de la postérité de David selon la chair. Oyo abotami uto na kitana na Dawidi kolandi sama na nzoto. Et déclaré fils de Dieu. Oyo abiangami. Avec puissance. Na nguya. Selon l'esprit de sainteté. Kolandi sama na molimo ya bosantu. Par sa résurrection d'entre les morts. Nzela na lisekwa na ekati na bakufi. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ au Colorado. Déclaré fils de Dieu au moment de sa résurrection. Amen. C'est pourquoi nous disons Marie a botaki Jésus-Christ. Marie avait donné naissance à,
à Jésus-Christ. Mais la résurrection de Christ est aussi une autre naissance. Selon Actes 13, verset 33. D'après Actes chapitre 13, donc à partir du verset 33 à 34. Qui est mon fils? J'étais engendré aujourd'hui. Aux amours, on a un abotio lelo. Tu es mon fils, c'est quoi les abotam? La résurrection, c'est la naissance. Maintenant, le fils de Dieu ne meurt jamais. Amen. A tongi l'église sur le fils de Dieu. Donc, Dieu a bâti l'église sur le fils de Dieu. Il y a les portes de séjour de mort et qu'on domine des églises. C'est pourquoi il avait dit que les portes de séjour de mort ne prévendront jamais sur l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est que. Donc dans tout cela nous comprenons. Dans tout ce que nous avions présenté. Que tant que Moïse a sali alliance. Que lorsque Moïse a fait l'alliance. Donc il faut qu'on explique Moïse. Et donc il faut expliquer comme Moïse ça. Moïse a sali qui déjà n'a dit qu'on est qu'on soit adorateur. Donc Moïse avait la pensée de prendre les adorateurs. Mais il est venu. Abandonner nos cocos en livre. Il a commencé d'abord par rédiger les livres. Livre wana Hébreu 9 ben yon testament. Ce livre là Hébreu 9 l'appelle testament. Ezaki toutes les paroles de l'Éternel qui étaient na Sinaï en Exode 19 na 20 ndatie na livre. C'était l'ensemble des paroles qui étaient descendues dans Exode chapitre 19 et 20 que Moïse avait mis dans les livres. Il faut t'en dire que Moïse wana za Nzambe. Il faut que tu fasses voir que Moïse est Dieu. Celui qui l'appelait encore au-dessus de la montagne, c'était aussi Dieu. Moïse, Zambé qui a écrit le testament. Moïse, Dieu qui a rédigé le testament. C'est la manière dont Dieu avait donné sa parole à Abraham. Avec tous les prophètes. La manière dont il a marché avec tous les prophètes. C'est Moïse qui a écrit la bas la montagne. C'est là semblable au Moïse, donc à Moïse plutôt qui écrit au pas de la montagne. Avant là. Avant qu'il ne puisse s'endormir. Nous nous suivons très donc, bien. Donc la parole qu'il avait remise à Abraham. Et pas Isaac, Jacob, c'est Moïse qui a écrit la lettre. Et cela a été transmise à Isaac et à Jacob. C'est Moïse qui écrivait la lettre. Donc la parole de l'Éternel. Cette parole de l'Éternel. Est un héritage. C'était l'héritage. Amen. C'est Deutéronome 33, dès le bien, on a verset 4. C'est ce qu'on il dit. Nous a donné la loi, l'héritage. C'est ce qu'on dit dans Deutéronome 33, verset 4, que Moïse nous a donné la loi, notre héritage. Mais dans cette parole, Wana. Et dans cette parole, si tu prends, tu la prends en la lisant, Deutéronome 20 est intervenu. Deutéronome 20 intervient. La parole, Wana. Dans cette parole, et le Bible nous dit ceci. Ce que se mettre en guerre. Si tu te mettais en guerre. Et que mon ennemi a son chevauché, n'a pas cheval et béni. Et que tu voyais de nombreux chevaux de l'ennemi. Kobangate. Ne crains point. Donc, ma personne qui m'a promis qu'il y a d'abord un héritage. On leur avait donné la promesse que même quand tu as un héritage, qui est la parole. L'ennemi a voyé par des chevaux. L'ennemi viendra par des chevaux. Parce que tout le monde a un appelé 6. Et cela, nous le verrons en Apocalypse chapitre 6. De la même manière. Amen. Quand nous avons délivré en Égypte. Quand Dieu leur avait délivré de l'Égypte. Ils ont même sur la montagne. Il les amenait vers la montagne. Donc la terre où ils allaient comme jardin d'Eden. Dans cette terre qui est semblable au jardin d'Eden. Pharaon. Et Pharaon. Azulikani salubia tuka ifona landa Israël. Pharaon a pris la pensée de dire que je vais poursuivre Israël. Azui armée naie d'élite. Il a pris son armée d'élite. Donc, Azui ba chevaux, ba armée à solo solo. Il a pris des chevaux, des chars, la vraie armée. Pour l'anda batuba otambola na makolo. Pour poursuivre ceux-là qui marchaient. Pharaon kokaki kokanga Israël tambou anu akufaka na nte. Pharaon avait choisi de saisir même un Israélite. Non, non. Akanga ki Israël tambou anu akufaki na nte. Ah. Ok, merci. Pharaon avait attrapé sous son esclavage Israël en Égypte. Avant que la mort de l'agneau ne soit annoncée. Mais lorsque l'agneau est mort. Parce que l'agneau est Pharaon. Donc l'agneau là avait tué le premier fils de Pharaon. Amen. Pourquoi?
écrasera la tête du serpent. Amen. Vous savez très bien. Ah, tant on a serpent, ils allaient dire Pharaon. En ce temps-là, les serpents c'était Pharaon. Et son armée. Et l'ensemble de son armée. Puissante nation à terre, nous avons bien la serpent. La puissante nation de la terre, Dieu l'appelle serpent. Aujourd'hui, Ésaïe 14, verset 29. Quand tu prends Ésaïe chapitre 14, verset 29. Même Jérémie 42, on va partir à verset 21, 22, 23. Quand tu prends même Jérémie chapitre 42 à partir du 21e jusqu'au 23e verset. Même à partir du verset 20 de Jérémie 42. Là, on connaît Babylone comme un serpent. On compare Babylone au serpent. Même l'Ésaïe, Jérémie 8, verset 17. Même dans Jérémie chapitre 8, au verset 17. Il y a un autre nombre, Genèse 3. C'est pourquoi nous disons Genèse chapitre 3. L'écriture est l'obité qu'un serpent d'Azarisé. L'écriture est l'obité qu'un serpent. L'écriture ne dit pas que c'est seulement les serpents qui étaient les plus rusés des animaux. Non. On a le Bible, oui. Faut l'en aller dans le monde. Ok. Dans le Bible, l'écriture est l'obité que serpent qu'un d'Azarisé. Ok. L'écriture ne dit pas que c'est seulement les serpents qui étaient rusés. L'écriture est l'obité, oui. Mais l'écriture dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés. Que les serpents étaient les plus rusés. Parmi tous les animaux que le Seigneur avait créés. Amen. Donc, Elie Kolobaboy. Ça veut dire ceci. Ato basalana botombo qui a grammaire. Il y a les gens qui ont la folie de la grammaire. Parce que Mayela Mokileza botombo. Parce que la sagesse du monde, c'est une folie. Bible ne le bingate. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et bien, il y a un mot la folie. La Bible appelle la sagesse du monde la folie. Je n'ai pas dit que c'est folie. Mais sache d'abord, hein, c'est un exercice. Vous serez là, voilà. Je suis très bien. Très, très important. Amen. Le Seigneur a dit qu'il a blessé le talent. Qu'il blessera les talents. Parce que le talent est la supériorité. Parce que les talents parlent de la supériorité. C'est lui qui est au-dessus de tout. Nous l'avions vu quand les enfants de Rebecca étaient en train de naître. Le message que Rebecca a reçu. Le message qu'avait reçu dans Rebecca. Genèse 25. Dans Genèse chapitre 25. Tu as deux grandes nations, deux grands peuples dans l'Ibumuna. Que tu as deux grands peuples dans ton ventre. Mais Oyamuke a dominé. Oyamukolo. Donc le plus petit aura le dessus sur le plus grand. Maintenant, domination est expliquée par un signe. Et la domination est expliquée par un signe. Lorsque Esaou sortait, Jacob a saisi Esaou na talent. Jacob avait saisi Esaou à son talent. Banana ba bimala ne wana. Les gens et les enfants là, étaient donc, sortis comme ça. Eli Kolobake, Jacob a kobotola Esaou ki moto.